initiate this visit of Boulogne-sur-Mer, which is in the north of France, and that the children will enchant you as they enchanted me. Is it the good word, enchant? I found it in Google Translation, but I was not sure. I'm talking not only about the children who are playing in the movie, but also the children who has inspired the story and the characters. We are not very used to show the movie out of France. That's like the second time, I think. So I'm very curious to see how it crossed the border. And I wish you a good screening. And that's it, I think. I have to speak in English too. I'll be brief because as a French, English is not really easy. It's the first time we are presenting the movie in US, so it's really emotional and we hope you will enjoy. And thanks a lot to the festival and to the delegation because the week was so great to discover LA all together and to see all the movies. So enjoy the screening. Bye. Les Pires, c'est l'histoire de quatre enfants dans un quartier populaire de Boulogne-sur-Mer, donc c'est une ville dans le nord de la France, qui sont repérés à l'issue d'un casting sauvage pour jouer dans le film d'un réalisateur belge qui s'appelle Gabriel. Et donc c'est l'histoire de ce tournage dans un quartier qui, dans la fiction, s'appelle Picasso. C'est l'histoire de ce tournage avec ses enfants dans les rôles principaux et de la rencontre entre ces adultes du cinéma et ses enfants. Eh, vas-y, viens me parler. La lumière, je vais pas te manger. Quoi? Parce qu'il paraît, il paye tout. C'est bien, tranquille. Mais tu te fais laver le cerveau, mon frère. Romane et moi, on était donc directrices de casting enfant sur un long métrage sur lequel on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Et en fait, on a rencontré des enfants en casting dans le nord de la France qui nous ont complètement subjugués. Et on a eu envie de leur écrire un film qui a été un premier court-métrage qui s'appelait Chasse Royale et qui racontait l'histoire d'un casting sauvage dans un quartier populaire du nord de la France. Et Les Pires, ça a été la prolongation de cette première expérience, sauf qu'on parle plus seulement du moment du casting dans Les Pires, mais aussi du tournage qui suit. Ah, t'as pas de cadeau? D'où j'ai des cadeaux? Tu lèves tes propres de ça. Et t'as de l'argent? Bah, j'ai de l'argent. Je travaille, ouais. Mais t'es payé pour quoi? Pour tourner dans le film, cousine. C'est difficile de comparer parce que chaque film est quand même vraiment une entité à part entière. Mais c'est un premier film, donc ça met du temps à financer. Après, Les Pires, c'est quand même la continuité d'un travail qui a été amorcé sur Chasse Royale, le court-métrage, qui est un court-métrage qui avait été présenté à Cannes, qui a gagné un prix. Donc il y avait quand même cette base solide pour aller chercher le financement. En plus, Lise et Romane ont réalisé une web-série entre-temps qui a aussi beaucoup marché. Donc, elles avaient quand même déjà un travail de réalisatrice. Elles étaient déjà réalisatrices avant de rentrer en financement. Et donc, ça a été un peu long de convaincre les partenaires, mais on a eu quand même pas mal de chance parce qu'on est, entouré de beaucoup de partenaires et on a monté un financement qui nous a permis de faire le film. Et on a été bien entourés. Et avec vraiment... on a été soutenus très tôt. Ouais, le film où il montre que des cassos là. Et puis toi, t'es contente, hein? Mais t'es belle, toi. Ouais. Pourquoi tu dis ça, ouais? La première du film était à Cannes, Un certain regard en mai. Et il y a eu pas mal de festivals après. Il y a eu Angoulême. En Amérique du Nord, on a eu Toronto. Mais c'est la première américaine. Et après, il y a des festivals un peu partout en Europe et en France en parallèle. La co-réalisatrice Romane Guéret l'a présentée à Bordeaux hier. Une des comédiennes l'a présentée à Montréal avant-hier. Donc on s'est un peu réparti le monde pour le présenter.